Eh bien, la nature en ville, c'est en fait des espèces animales et végétales qui ont su s'adapter à un environnement qui est plutôt minéral et qui essaye tant bien que mal de vivre sa vie en lien avec l'être humain et la place toujours plus grande qui prend. Alors, la nature en ville, pour nous, c'est une nouvelle manière d'aménager les espaces paysagers du village, en définitive. Hein. Alors ici, bien sûr, on a la chance d'être à la campagne, environnée de nature. Mais c'est justement utiliser la nature environnante pour donner encore plus de nature dans la ville. Je ne sais pas si on peut parler de nature en ville, à beach, ou de ville dans la nature. Parce que si vous tournez la caméra à 360 degrés, vous verrez qu'on est dans un écran de verdure et qu'on est vraiment implanté dans une forêt. Déjà au départ, on a aménagé les coteaux, on a repris en main le verger communal, on a créé une mare, on a recréé des sentiers aussi dans les coteaux, et tout ce qu'on a fait dans les coteaux, on le reproduit dans le village. On a donc la rivière qui traverse la ville, la Moselotte. On a ce site ici, le sentier des Colverts, qui était déjà arboré. Eh ben, tout d'abord, on a 21 jardins éphémères sur l'ensemble de la ville, sur lesquels on développe différents thèmes. Ces jardins, on les renouvelle tous les 2-3 ans pour que les gens ne voient pas toujours les mêmes jardins quand ils viennent visiter les jardins à Beach. Alors, donc la démarche Zéro Phyto, elle a été initiée en 2006. Et on était parti au départ sur de la réduction. Et puis finalement, tout le monde était d'accord pour dire réduire. Mais finalement, si on arrêtait tout, ça serait tout aussi bien. Au niveau du cimetière, donc toutes les allées transverses sont enherbées, c'est-à-dire qu'on a laissé l'herbe pousser. Les personnels des espaces verts font de la pédagogie avec les personnes qui fréquentent le cimetière. Le zéro phyto, c'est très important pour nous parce que c'est laisser un sol intact pour les générations futures. Et ça, on ne doit pas polluer chimiquement tous les sols, c'est pas possible. Donc on le fait aussi parce que les salariés sont exposés aux produits dangereux pour l'environnement. Donc ils n'ont pas besoin de faire des formations, d'avoir des habits particuliers. On a supprimé tous ces produits. On le fait bien sûr pour les enfants qui sont dans les parcs, qui jouent dans les pelouses, qui jouent pas très loin des arbustes, dans les aires de jeu. Donc on le fait pour la santé. On le fait aussi pour les pollinisateurs, parce que les pollinisateurs sont très sensibles aux pesticides. La ville développe depuis 2001 finalement une politique forte en matière d'environnement. Elle faisait l'objet d'une des actions, c'était développer une gestion différenciée des espaces verts. Donc on s'est appuyé sur un bureau d'études donc, qui a travaillé pour nous donc, sur une période déterminée afin de définir sur la ville différentes zones qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier en matière d'entretien. L'association des jardins partagés a été créée, donc c'est l'association des jardins partagés, parce que Bar-le-Duc. Et nous, on l'a vraiment accompagné techniquement et on est là vraiment pour faire en sorte que ça se passe bien, c'est-à-dire apporter tout ce qui est technique, alternative, jardinage écologique. Alors la difficulté, elle est surtout dans l'application du zéro phyto, puisque ça fait 2 ans et demi qu'on a zéro, on n'utilise plus de produits. C'est pas facile parce que ce soit les élus, les techniciens, les habitants, ils n'ont pas encore compris tout ça. Mais on va l'expliquer progressivement. C'est plutôt le regard qu'on doit travailler pour réapprendre à la voir parce qu'elle est devenue quasiment invisible. Et du coup, nous, notre travail de sensibilisation, c'est plus de réapprendre aux gens à regarder ce qui les entoure juste à côté d'eux. Et on se rend compte que quand on ouvre un petit peu les yeux, la nature, elle est vraiment présente partout, mais on ne faisait plus du tout attention à sa présence. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations au début, beaucoup de plaintes à la mairie. Alors, ce qu'il faut, c'est que les élus soient convaincus de la démarche et relaient, expliquent qu'on aille tous dans le même sens, qu'on explique pourquoi c'est fait.
C'est pas toujours évident, notamment en matière de gestion différenciée. C'est vrai que les gens, il faut qu'ils assimilent finalement ces questions-là, que quelque part, peut-être sur un trottoir, il va se promener quelques mauvaises herbes, etc. C'est pas toujours évident à expliquer. En tout cas, on a fait cet effort de communication en direction des populations, par le biais aussi de comités de quartier donc, qui sont organisés sur la ville depuis un certain nombre d'années. Donc c'est nos relais aussi d'information. Bah, donc bien sûr, toutes ces démarches, il faut communiquer dessus, hein. Sinon ça ne marche pas toujours. Si on fait du fauchage tardif sur des coins un peu secondaires de la ville qui ont toujours été coupés au ciseau et qui étaient toujours propres, il faut bien sûr communiquer dessus, il faut expliquer pourquoi on le fait. Maintenant c'est ancré dans les mœurs et que c'est accepté par les Beachois.